Voilà, c'est parti. On prend la recharge. Je suis toujours à 90, des missiles, c'est pas assez. Et c'est un peu chaud quand même. Voilà. Alors, voyons, on doit aller là. Mais il faut débloquer les portes. Évidemment, aucune ne s'ouvre. Ah, je le savais. Ça, je savais pas. Voilà. Fais gaffe, on se casse et on va aller très vite chercher la porte. Voyons. Dégage. Je peux pas aller là où c'est un peu con. Là, c'est bloqué. Bon, je passe. Rien à foutre. En fait là, les métros gelés, comment ça se fait que ces zones est gelée? Aïe. Là, une porte de niveau 4. Ah, une porte normale protégée par une porte de niveau 3. La chance. Putain, mais alors toi je te déteste. Dégage. Ah, faut que je détruise ton missile. Ça, c'est un gros morceau. Et c'est pas avec mes bombes que je vais le buter. Bon, et là aussi, c'est avec des bombes, je présume. Évidemment. Saloperie, dégage. Bon, là aussi c'est avec des bombes, je suppose. Non, c'est avec de la vitesse. Y a rien, y a une sauvegarde juste à ma gauche. Alors, paye ta sauvegarde. Ouais, paye ta sauvegarde parce qu'elle est envahie de monstres. Et je peux pas y aller. Bon, je pense que j'ai compris, et vous aussi. Voilà. Tout compris. Cool, les métroïdes glacés, ça rend pas mal de vie. Plus qu'à la moyenne. Raté. Ah, tu m'as raté. Pareil, je te tiens au missile. Pareil, je me fais niquer. Ah, reviens là, toi. Oh, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Casse-toi, Zay, dégage. Je m'en serais à peine douté. Là, je m'en serais aussi à peine douté. Hein. Cool, une sauvegarde. Je prends. Dis-moi à quoi ça sert. Bon. Là, il faut des bombes de puissance, mais j'en ai pas. Ah, j'ai trouvé une unité de sécurité. Tant mieux. Voilà, qui est fait. Bon, eh ben, j'ai débloqué 3 niveaux de sécurité sur 4. C'est pas mal. Toi, tu bouges pas, j'ai besoin de ta vie. Voilà. Bon. J'ai dit pas bouger. Et tu ne bouges pas. Et tu m'ébrises. Alors, ça, tu peux le... Ah, putain. Mais ça fait mal, ça. Non. Ah, d'accord. C'est pas vrai, ça. C'est
quand même pas des petites merdes comme ça qui vont me tuer. C'est pas raisonnable, puis c'est nul comme mort. Putain, toi, j'aurais bien voulu t'avoir. Oui, sauvegarde. Allez. Donc, du coup, là, je passe. Je m'en fous de prendre des dégâts, au pire. Au pire, je crois qu'il y a une porte à gauche, là. Ah, mais je peux pas y aller, c'est vrai. Donc, putain, quoi, je te veux. Putain, c'est vrai qu'il faut que je prenne de la vitesse pour voir cette porte. Aïe. Aïe. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est gagné. Ça, je prends. Je sais pas où ça mène. Et je crois que c'était pas la bonne porte. C'était pas la bonne porte, mais il y a deux métroïdes de jeu que je vais m'empresser de prendre. C'est toujours ça de gagner. Oh la chance. Non. Mais attends, je joue. Merde, c'est toujours pas le bon endroit. Je me trompe toujours. Oh, ils m'ont pas vu. Oh, cette chance. Allez. Ça par contre faut que je dégage. Allez, on remonte. Enfin, tu bouges pas. Parce que je te l'ordonne. Je veux pas. Ah. Et eh bah, ben ça, c'est une surprise. Ok. Merci, c'était utile pour moi. Voilà, j'y suis enfin arrivé, j'ai juste fait un détour. Ah, effet Jalaki, ça c'est bien. Alors voyons. Alors je crois qu'il faut. Ah ouais, donc ça marche que pour les missiles. Ça doit toucher un seul ennemi, je crois. Viens là toi. Ouah, j'ai trop descendu. Du coup. Bah, bah tiens, la sauvegarde est juste là. Juste à côté. Ah ouais. Ah c'est. Ah ouais, c'est radical. Et du coup, là, il y avait quelque chose. Du coup, il y a peut-être quelque chose. Ah, il y a un truc à faire. Alors, attendez. Voilà, je le prends pas. Putain, il y en a un deuxième. Voilà. Ouais, il y a un truc à faire. Alors, attends. Ah merde, c'est à toi. C'est pas vrai ça. Alors, je me fous là. Voilà, et donc du coup, si je suis comme ça, je gagne un peu de vitesse, ce qui va me permettre de faire ça. C'était inutile, ouais. À part juste créer un chemin. Non. Bon, on la sauvegarde. J'ai pas de régénération en fait. Donc maintenant que j'ai un truc du niveau 3, je vais pouvoir remonter et aller dans une autre zone. Alors attendez. Ah bah tiens, je vais profiter aussi pour aller voir quelques portes en plus. Donc il faut que je. Ah, il y a une porte que je n'ai pas explorée. Toi, tu m'énerves. Toi, tu bouges. Bon, des tortues volantes, j'aurais tout vu. Alors c'est toi qu'il faut que je vise. Je me mets bien, hop, ici. Une upgrade, est-ce que c'est un faux? C'était un faux. Donc, voilà, tu dégages.
Mais le vrai est toujours là. Aha! Hop, high tank. Parfait, je récupère toute ma vie comme ça. Voilà qui est fait. Il me reste plus qu'à aller en bas en chute libre. Et paradoxalement, récupérer un petit truc. Donc, je vais remonter. Hop. Et il faut que je me retape tout. Allez, c'est reparti. C'est parti pour remonter. Et j'ai pris un Metroid glacé. Bah bien tout ça. Allez, on remonte. Toi, je te prends, mais si je prends un peu de dégâts. Là, il va y avoir un truc, c'est vrai. Voilà. Là-haut, je peux pas y aller, évidemment, parce qu'il y a un truc qui me bloque, j'ai pas la bonne arme. Là, il y a une porte. Non, j'y suis déjà allé, là. Là, il y a une porte de niveau 4. Pas de chance. Non, c'est à droite. Ou à gauche. Je suis en train de m'emmêler. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'était? Il revient. Il revient en plus. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît pas. Enfin, déjà, j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Parce que si c'est ce que je pense, je suis un petit peu dans la merde. Ouah, t'es sérieux? Non, 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 non. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous aussi, vous allez mourir. Voilà, hop. Un, deux. Passons. Si ça marche. Maintenant, il reste plus qu'à trouver où je n'ai pas pu aller. Ah, derrière, oh, c'est derrière le monde de puissance. Pas de chance. What? Comment ça, une alerte? Comment ça, une alerte? Oh, je suis pas d'accord. Longtemps de recharger nos munitions. Il y a une alerte, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dans le secteur 3. Le secteur 3, qu'est-ce qu'il y a le secteur 3? Ah, dans le secteur 3. Oui, j'ai compris. Comment ça? Non. Putain, puis c'est vachement... Oh non, c'est vachement... 6 minutes. C'est pas vrai. Oui, l'esprit tactique, mon cul, ouais. Il me fait chier. Et c'est parti pour le chrono des 6 minutes. Les 6 minutes qui ne s'écoulent pas pour le temps de chargement, mais qui s'écoulent quand je monte un ascenseur. Cherchons l'erreur. Aller plus vite, évidemment. Du coup, il va falloir que j'optimise. Alors, attendez, j'optimise mon trajet. Ok, je pense que j'ai trouvé le bon trajet. Dans le doute, quand même, j'ai sauvegardé parce que j'ai pas envie de mourir. Putain, évidemment, la sauvegarde ne marche pas. Juste pour garder du suspense. Alors il faut que j'aille tout en bas. Dégage. Attends, je vais sauver ton cul. Hop. Que je descende encore ici. Putain, évidemment la porte est bloquée. Mais non. Dégage, dégage, dégage. Je sauve ton cul là. Voilà, là il me faut de la vitesse. Hop. Allez, je vais sauver votre cul, bande de macaques. Hop.
descend, on ne s'arrête pas. Une porte verte, voyons. Si je vais là, il y a quoi? Une upgrade. J'attends de la prendre. Je crois que c'est une prise de risque. De toute façon, elle est là. Je le savais. Voilà, j'ai pris des missiles. Ça pourra me servir. Allez, maintenant on perd plus de temps. Ah putain, ouais. Heureusement que j'ai le costume Varia. Dégage. Oh, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai qu'il y a des trucs qui commencent à monter. Faire attention. C'est où? C'est juste au-dessus. Putain, c'est pas vrai. Ou de justesse. On veut pas être vos têtes. Bon, là, il va falloir que je le réveille, toi. Debout. Merde. Vite, dépêche-toi. Voilà. Bon, et maintenant, c'est à gauche. Putain, faut que je traverse de la lave. T'es pas sérieux. Putain, t'es pas sérieux, toi. Ah, putain, c'est pas vrai. Dégage, 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 toi. Ah, là, il y a un piège, je le savais. Ça se voyait, en plus. C'est le piège qui te dit, je ferai tout pour t'empêcher de gagner. Ça aussi, putain. Bon, techniquement, j'y suis presque. Putain, c'est pas vrai. Dégagé. Putain, c'est au-dessus. Ah, ta mère, toi. Putain, alors là, je sens... Alors, toi, dégage. Putain, évidemment, ça aurait été trop simple. Il fallait que ce soit un métroïde. Merde. Putain, c'est bon, il est mort. Je reprends ça. Le rayon large, parfait. Et bon, en ce temps, le chrono s'est arrêté. Je vais pas dire, mais... Il y a ça. Quelle action? Voilà, qui devrait être tranquille pendant un petit moment. Ah ouais! Ah, il déchire. J'ai 3 rangées de laser maintenant. Et si je le charge un petit peu? Ah ouais! C'est vrai que j'avais rien chargé depuis un moment. Je touche plus. Bon, descendre, bon putain. Ah non, ça c'est normal. Bon, j'ai plus qu'à refaire tout le chemin sans savoir. Soit tu dégages déjà. Hop là, je t'évite. Bon, remonter dans le truc. Non, y a rien. Est-ce que je peux t'avoir? Oui, ou charger toi? Ouais. Et tu t'en prends 3 dans tes dents déjà. Donc rien que ça. Toi, je meurs. Hop. Petit raccourci magique. Là, j'y vais tranquille. Vivement que j'ai le costume qui permet de, oula, de résister à la lave. Parce que putain, il me serait bien utile. Cela étant, ça n'explique pas ce que j'ai vu dans le secteur 5. Il y avait une grande ombre. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Putain, dégage. Ah, ça brûle. Mais c'est de la vraie lave. Comment on peut construire une lave dans un centre quand même? J'aimerais savoir.
Bon, allez, il reste plus qu'à remonter. Aïe. Toi, j'ai envie de t'en foutre une, mais j'ai pas le temps pour ça. J'ai des munitions précieuses. Toi, tu meurs, tu meurs, tu meurs, je pue voir ta sale tête. Même tes yeux, sinon je les prends et je les bouffe. Donc du coup, vu que je suis tranquille, je vais aller dans cette zone que je n'ai pas explorée. Oui, mais je m'en fous, ça. Donc je vais aller là. Pour remonter. What? What? Mais non. Bon, faut que je remonte tout en haut, d'accord. Si tu le dis, je m'en fous des dégâts, j'ai tellement de vie. Cette barre t'es toujours pas réparée, faut faire quelque chose. Ah, c'était là. Alors la porte du bas. Enfin, le bloc du. Ouais, là aussi ça marche. Je suis juste allé un poil trop loin. Voilà. Alors, toi tu dégages, je peux te voir. Toi tu dégages aussi, je peux te voir. Juste en haut. Juste un poil de cul en haut. Ah voilà, c'était cette zone en fait que je pouvais pas aller. Parce que j'avais pas le costume barrière. Dégage. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Putain, elle est longue cette zone. Missile. Toujours ça de prix. Cependant, j'aimerais savoir s'il n'y avait pas autre chose. Ah ah! Il y avait autre chose. Et ça demande de la vitesse, je dirais. Très très bien. Alors hop. Alors là. Ah, ensuite un peu trop loin. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Allez, on se dépêche. Ah zut, trop tard. Voilà. Oh, un e-tank. Putain, cette zone, elle est friable cette zone. Faut que je devine en fait où aller pour la friabilité des éléments. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire en fait. Parce que même moi je me comprends pas. Oh non! Putain, t'es sérieux? Ah ah! Oh, fallait deviner. E-tank. Ça en fait deux. Je récupère d'affilée. Et bah, j'ai bien fait. J'ai peut-être amélioré mon score. Bon. Faire attention à la lave qui monte et putain, je dis ça et je me prends une. Heureusement que j'ai le saut spatial. J'aimerais juste avoir l'attaque spatiale. Comme ça, je réconomiserai mon laser. Remonter en haut. Ouah, j'ai pas compris, mais ça a tremblé en fait. J'ai bien compris, mais il y a un truc qui a tremblé. Allez, recharge. Et j'ai 100 missiles. Ça y est, j'ai la centaine de missiles. J'ai le minimum syndical. Alors, qui est en train de me donner de bonnes nouvelles? Oui, bah oui, normal. Attends, tu te fous de ma gueule, je risque ma vie. Et la base, elle est impressionnée parce que le Saïk se fait. Mais c'est cool.
Ouais, j'y vais. En fait, c'est toi qui avais mis hors service l'ascenseur. T'es un petit connard, en fait. Je te déteste. Que c'est mieux comme ça. Autant que tu fasses tout de suite. Colle un trou. Colle une amélioration. J'ai pas joué un trou, je me dis cool. Et j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, c'est juste ce qu'il faut, mais. À partir de là, je dirais. Gagné. Voilà. 105 missiles. Parfait. J'ai plus qu'à courir comme un demeuré. Je me suis raté. Bon. Le pont, le pont. Alors attendez que je me repère. Ok, faut que je descende. Oui, je descends. Ok, mais il fallait que je descende. Mais dans l'autre sens. Ensuite. Ah bah tiens, je vais monter, je peux débloquer des portes. C'est tant mieux. J'arrive pas à faire ça, voilà. Putain, foutez de ma gueule, d'où ça vient ça? Non. Attendez, c'est. Comment ça se. Ah! Allô? Oui. Oui, je suis en train de m'étendre. Oui, j'y vais. Oui, j'y suis allé tout à l'heure. Ok. Ouais. Tout à l'heure. Et pendant que je monte à l'ascenseur, le téléphone a sonné. C'est trop cool. Donc là, il y a une unité de sauvegarde, je prends. Vous n'avez pas raté grand chose, vous avez juste raté Ellie. 10 secondes où je monte l'ascenseur. C'était palpitant. Enfin, j'ai vécu de grands moments. Ok, alors s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison. Release, motherfucker. Raté. Tu peux te dégeler, s'il te plaît. On en crève en fait. Non, il y a une upgrade de là, je la veux. Bon, d'accord. Je retiens. Moi, tu freeze. Pour m'amener au deuxième étage. Que je puisse le regarder d'un peu plus près. Qui est lui-même bloqué. Putain, il fait pas de chance. Eh ben non, je peux pas. Ça, c'est pas vrai, je vais recommencer. Ouais, toi, tu freeze, mon fou. Oh, ça t'est passé juste au-dessus de la tête. Oh. Ça t'est passé juste au-dessus de la tête, t'as eu de la chance, toi. Alors, explorons un peu. Alors, ça. Oh. Alors, ça, pour ceux qui s'en souviennent et qui ont une bonne mémoire, ce petit. Ce drôle d'oiseau que vous voyez là est apparu dans Metroid. Alors, attendez que je vous en parle. C'est Metroid. Super Metroid, voilà. Donc, Metroid 3. Qui vous apprend à utiliser la vitesse pas la vitesse la vitesse gardée en fait quand vous accumulez de la vitesse, donc vous êtes en super vitesse qui vous permet de détruire des blocs, et lui en fait il vous apprend comment garder cette vitesse pendant un instant, qui est d'ailleurs reproduit dans à peu près tous les jeux Metroid. Et je peux pas passer. Boum boum. Donc vous voyez là, on a des singes et des trucs bizarres. Je sens pour ça. Ça, putain, ça sentait le piège en plus. Bon, je débloque une porte. Là, quelque chose.
Dis-moi juste que je peux y aller. Non, alors attendez, comment je peux y aller si je peux pas y aller? Je ne peux pas y aller maintenant, comment je fais? La vitesse, bien sûr. Il fallait deviner. Ok, ça m'a servi à rien. Ça m'a servi juste pour ça en fait. Il y en a qui, je peux forcément un truc. Ah ouais! À deviner là quand même. Ah si, il fallait deviner. Merde. Non, toi je t'explique alors. Toi t'es là et tu freeze, motherfucker. Tu freeze, motherfucker. Putain, il fallait deviner quand même. Et mignon cet oiseau. Et ses singes. Et ça se barre sans me remercier. J'avoue, c'est sympa de leur part. Bon, j'ai plus rien à faire ici. Le petit saut là, j'ai fait là, qui a raté l'ascenseur. Bon, ben là, je pense que je vais aller avertir l'ordinateur que j'ai fait sa mission à la con. Multiviola et Vertosaur. Je connais ces êtres doués d'intelligence. Ils semblent me reconnaître. Je m'étonne de les revoir ici. Ils m'ont jadis aidé à découvrir des pouvoirs que je ne soupçonnais pas. Mais où courent-ils? J'espère qu'ils sont en sécurité. Voilà, je vous en ai. Donc, c'est ce que les pouvoirs que je vous ai parlé il y a quelques secondes, je veux dire. Ce qui lui ont permis de garder la puissance active de sa super vitesse lorsqu'elle peut le faire. Donc du coup, Cartil est juste là. Enfin, je vous conseille juste de jouer à Metroid, à Super Metroid sur Super NES. Donc, comme d'habitude, le lien pour le logiciel est dans la description. Vous téléchargez ça en 10 minutes, vous trouvez facilement, vous y jouez et vous découvrez. Oui, tout l'équipage est mort. D'être faible, excuse-moi, mais mon service c'est d'être faible, comme tu dis. Oui, putain, je suis dans la mer. Ah, la bombe de puissance, stop, dis-moi où elle est. Comment dire ça? Je veux pas y aller en fait, parce que la dernière fois que j'y suis allé, il y a un truc qui m'a fait peur. Oui, je suis peureux. D'ailleurs, j'ai complètement zappé que je pouvais aller là. Ah! Et donc là, vous voyez actuellement. Alors, je sais plus comment s'appelle ce monstre. C'est le chef des pirates. Putain, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà ce personnage? Je sais plus. De toute façon, je vous mettrai le nom quelque part. Donc, ce personnage, vous le voyez à partir de Super Metroid aussi. Et c'est celui que vous devez battre au début, qui vous met une misère, et que vous battez à la fin, mais c'est... Ah, c'est ça, je m'en souviens, c'est Ridley. Ridley, donc le dragon chef des pirates. Au début de Super Metroid 3, il vous met une misère, mais à la fin, avec tous les armes que vous découvrez, et ben vous le battez. Et donc, c'est étonnant que Ridley... Attends, comment ils ont pu garder Ridley? Normalement, c'est mieux de la tuer dans... Il y a des années. D'ailleurs, il réapparaît dans à peu près tout, je dis bien tous les Metroid. Ce qui fait le, je crois, le premier ou le deuxième boss le plus charismatique et le plus célèbre de la licence. Et je peux dire qu'il est chaud à battre. Allez, secteur 5. Oups là. Je peux pas m'arrêter. Voilà, je me suis pris un mur. Oui, je te rappelle.
après sa position. Oui, il est là. Merci de me le rappeler, Captain Obvious. Tu es utile. Enfin, c'est prendre quand même quelques recharges. 110 missiles. Ça va. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ah, mais oui, c'est ça. Putain, mais c'est pas vrai. Je peux pas être tranquille. Oh oui, donne-moi là le set upgrade. Déjà, je suis plus loin parce que j'aime pas ces monstres. Ok, c'était donc pas là. Non. Oh, alors ça c'est pute. Ça, allez pas me dire si c'est pute. Un faux mur. Ça c'est vraiment méchant en fait. C'est du sadisme. Faut deviner en fait. Là y'a un truc qu'on va. Putain, mais il est encore là cette merde. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît pas. Non mais j'ai vraiment pas envie d'y aller en fait. C'est juste parce que cette énorme chose me fait peur. Hop, je reprends ça. Ah tiens, je vais plus aller les gars. Vous n'avez pas remarqué. Attends, là il faut la bombe de puissance pour ouvrir les portes. Oh, j'ai pas à battre le boss. Oh putain, merci. Yeah, la bombe de puissance. Enfin, je me casse. Attendez, objectif. Ok. Quoique, je veux quand même voir ce qu'il y a là. Alors, bombe de puissance, donc j'en ai 10. Alors, il faut faire... Se mettre en mode morphée, appuyer sur R et B. Et voici son effet. Ça détruit tout. Et les monstres tués sont. Donc les monstres sont instantanément tués et les métroïdes se regroupent à partir de la. Putain, c'est vrai que je suis passé par là. Se regroupent automatiquement à partir de la position d'où la bombe. D'où la bombe de puissance a été lancée. Alors, dit comme ça, ça fait. C'est un peu bizarre. Putain, une sauvegarde. Je prends cette sauvegarde. Voilà. Et donc du coup, vu que j'ai la bombe de puissance, j'ai quasiment tous les upgrades. Il doit m'en manquer 2 ou 3. Donc là, là, je crois qu'il me faut des bombes de puissance. Oh, il m'en fallait une, justement. Quand on parle du loup. Ouais, je suis où là, en fait? C'est pas vrai ça. Oh putain. Vache, j'ai flippé. Oh putain. Tiens, toi t'es très résistant. Mais qu'est-ce que le Saïk se foutait là? Oh, le truc rouge. Putain. Je vais voir s'il a disparu. Ouais, les monstres sont apparus. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Bon, là il y avait un truc. Ah, c'était juste pour me cacher. Utile. M'en fous, j'ai un métroïde rouge. Bon, et maintenant je fais quoi?
Et bah, je remonte. Ah bah oui. Unité de sécurité, je vais débloquer. Oh, c'est vrai qu'il y a sa mère. J'ai pas la possibilité de battre le Salix, ça me fait flipper quand je le vois. Bon, pour l'instant, je suis mort une seule fois à cause de lui. Je l'avais cherché en même temps. Toi, ouais, j'espère que tu vas mourir. Il est mort, il me donne un métro et le rouge. Tant mieux. Donc, du coup, ah bah, donc, du coup, toi, tu vas mourir aussi. Donc alors attendez, je monte. Voilà. Premier Metroid se retrouve point d'impact de d'où est lancé la bombe de puissance. Oh alors, attendez. Ah oui, alors ce passage est le plus dur que j'ai vu. Alors je m'explique, vous voyez, il faut faire ça parce que voilà. Il y a juste ça, ces petites choses. Ces toutes petites choses de rien. Alors là, il y a une technique. Alors, faut aller. Ah non. Bon. Alors, attendez, là, faut pas que je me rate. Parce que c'est ultra chaud d'y arriver. Là. Ah là. Et là. Et là aussi, il faut pas que je me rate. Ah, je me suis raté. Merde. Vous voyez, c'est dur. Non, c'est vrai que. Ok, on y croit. Alors bien sûr je peux faire, je peux. Ah zut, raté. On recommence. On fait durer le jeu. Oula. Non. Aïe. Saleté. Là. Voilà. Alors là, on va falloir y aller doucement. Ici. Ah, c'est. Zut. Bon. Je crois que je vais faire ça en off et je vous retrouve à la fin. Ça y est, je l'ai eu. J'ai eu chaud. Donc en fait, ensuite, je vais en profiter pour tuer ces escargots. Voilà. Tous les endroits où il fallait pas aller. Heureusement que je vous ai passé. Un petit bout. Je vais en profiter pour tuer tout le monde là. Même le métroïde de glace. Ah non, le métroïde de glace n'est pas affecté. Très bon point à retenir. Maintenant, j'ai juste envie de me casser de là. Oui, terminal de carte. C'est pas vrai qu'il faut que je remonte. Putain, il est encore là. Mais c'est pas vrai. J'ai pas envie de le voir, lui. Je sais pas qui c'est. Enfin, si je peux savoir qui c'est. J'ai pas envie d'aller le voir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un passage que je peux débloquer. Alors, attendez. Non, pas cet upgrade. Ouais, c'est là-haut. Ouais, toi, tu bouges pas. Voilà. Toi, tu bouges pas non plus. Ah, je le savais. Je me disais bien aussi. Ouais. Ouais, tu sers foutrement à rien en fait. Hop là. Plus de missiles. Ah oui, c'est vrai. Ah merde, je peux pas passer. Voilà. Par contre, là, je vais t'en aller. Voilà. 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 Bon. Ça va. Ça va, ça va, ça va.
Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon vaisseau? Me dis pas qu'on s'est fait attaquer. Je la sens pas. Hop là, pile sur l'ascenseur. La maîtrise. Non. Non. Putain, pas une panne. Putain, mais vous foutez de moi. Putain, c'est... Ah, ça, je sais pas. Ok. On y... seulement les rayons de glace. Bah tiens, putain, et puis je vois rien. Putain, je vois, en fait, je vois vraiment rien. Faut juste que ça pose des. Bon, d'accord. Rappelez-vous toujours qu'en cas de besoin, il y a un petit bug qui fait que lorsque vous utilisez la grenade, enfin la bombe de puissance plutôt, vous pouvez, vous avez un instant pour voir pendant quelques secondes. C'est déjà bien. Putain, et là je suis bloqué en fait là. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, d'accord. Salut. Non. Non. Putain, non. J'ai fait tout. Putain, c'est pas vrai, ils ont pris l'ADN de Ridley. Je suis dans la merde. Oh, oula, non, j'aime pas ça non plus. Aïe. Ah, ils ont pris l'ADN de Ridley. C'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, voilà, donne-moi du métro. Ouais, non, du X. Alors là, il y a un truc à débloquer, mais où? Ok, j'ai trouvé. C'était ici. Voilà. On peut aussi tricher. Comme un connard, mais on peut tricher. Du coup, en fait, là, y a rien. Parce que c'est pas vraiment ce qui m'inquiète là. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'ils ont pris l'ADN de Ridley. J'ai pas envie de le battre. Enfin, je me sens pas prêt à le battre. Attendez, y a pas un truc là normalement. Si, y a peut-être un... Et si, y a un truc là. Ouais, des bombes de puissance. Aller là pour l'instant. Je pense que c'est pour une raison plus tard ça. Et vous obligez à se regarder en fait. C'est cool. Alors. Non. Ouais, mais c'est pas sur ma carte. Mais ils sont sympas. D'ailleurs, il y en a qui te fait coucou. Bon, écoute, ton analyse est super intéressante, mais là, on a un plus gros problème. Ridley est en vie. Je vais mourir. Ouais. Une seconde. Moi, je peux passer. C'est des coquilles. Attendez, c'est des coquilles vides. Ici. Oh là, il y a un truc. Oh là, il y a une porte. Oh, il y a une très jolie porte bloquée. Putain. Moi, il est là quand je vais passer. Évidemment, c'était au bout. Ok. Direction. Un point de sauvegarde qui ne marche pas. Et merde. Moi je sais qu'il y a une sauvegarde. Bon, il va falloir que je remonte. Ça c'est bloqué par un truc beaucoup trop gros. Donc, ça devrait même pas exister.
Putain, des silicos qui sont vides. Ça veut dire que ça a muté. Ça veut dire que je suis encore plus dans la merde. Oh putain. Oh! Pourquoi je t'aime pas? Je t'aime pas? Je me souviens de vous. Vous étiez dans Super Metroid aussi, vous. C'est à cause de vous que je suis mort des fois. Ouais. Eux aussi sont été copiés par les X. Je me prends. On aura besoin. Je ne sais pas ce qui m'attend. De l'autre côté. Je prends, il ne m'échapperait pas. Putain, il y en a encore en dessous. Regarde où je dois passer. Truc, une bombe de puissance. Ici. Oh, bonjour. Je suis mort maintenant. Et je prends ça. Putain, c'est pas vrai que je vais devoir me battre contre un boss. Oups, bonjour. Excuse-moi de te déranger. Chez toi. Et tu dois mourir. Non, c'est évidemment ce qui est pas là. Moi, on peut reconnaître qu'avec la bombe de puissance, on trouve assez facilement son chemin. C'est le GPS. Je sais pas où aller. Ok. Fallait deviner. J'ai quand même mis. Non, je vais prendre ici. De toute façon, je vais me les recharger. Dégage. Oh non, j'aime pas ce boss. Je m'en souviens. Juste. Ah oui. Alors là, la technique pour ce boss, je vous l'explique tout de suite. C'est de se foutre au milieu et de lui. En fait, bon, je vais faire une petite pause ici pour vous expliquer. En fait, ce boss, c'est une araignée qui était reprise par les Metroid. Donc. Il existe une petite technique qui consiste à se foutre pile au milieu et à lancer des missiles juste au-dessus de vous. Parce que le point sensible de ce monstre, c'est sa bouche. Et donc du coup, c'est pour gagner un peu de temps. Sauf que maintenant, il ne faut pas que je me fasse prendre. Enfin, voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Essayez de vous prendre, bien sûr, il existe toujours une technique. Voilà. Donc là, elle est déjà noire. Ce qui veut dire que j'ai une petite avance. Donc c'est pas grave si vous prenez beaucoup de dégâts, de toute façon. C'est pas vraiment un boss très très dur. Bon, faut juste faire gaffe quand je vous prends. Pour l'instant, ça va, j'ai de... Elle a des patterns assez... assez raisonnables, pas trop... comme je voudrais. Donc du coup, là, ça va. Ah. Là, du coup, elle va aller très très vite. Voilà. Et donc du coup là, il faut se dégager avec gauche et droite et en profiter pour lui mettre une petite salve. Non, ici. Pour l'instant ça va, ça va. Ah. Elle est détruite, parfait. Par contre là, ça va être chaud donc. Là, c'est du frame perfect. Vous devez la toucher pile au bon moment. Donc le mieux, c'est de vous foutre dans un coin. Et d'attendre qu'elle arrive. Il faut bien viser. Parce que là, vous voyez, là, j'ai plus trop de vie. Donc si je reste pas dans mon coin, je suis dans la merde. Voilà, encore une fois. Allez. Voilà, elle est rouge. Elle est bientôt finie. Voilà, allez. C'est cette partie-là qui est la plus dure parce que faut bien viser et se mettre au bon moment.
Allez. Allez. Ça y est, et nous voici contre notre ami le Metroid. Et là, ce que je recherche le plus en ce moment. Allez, encore deux missiles et t'es foutu, gars. Voilà. Je récupère mon upgrade. Le saut spatial. C'est une des techniques les plus cheatées du jeu. Comment elle marche? C'est très simple. Vous appuyez sur A. Et voilà. Alors, c'est une des techniques, bien sûr. Alors, je vais aller par là, par contre. Parce que je dois restaurer le système électrique. Ce qui me permet aussi de sauvegarder, bien évidemment. Et je pense que je vais m'arrêter. Je vais bientôt m'arrêter là pour cette partie qui aura quand même duré presque une petite heure. Non, mais tu te fous de moi en plus. Ça veut dire que je vais devoir m'attaquer à un autre boss. Mais ce sera dans la prochaine partie que je ferai d'ici quelques heures, bref, dès que possible. Hop, je me casse. Je sauvegarde. Voilà, je vais couper ici, je roule. Et vous aurez la suite dans quelques secondes, là tout de suite. Bon, on est reparti. Juste fait une petite pause pour reprendre un peu de vie. Et de l'énergie. Aïe. Ah, c'est mal. Oh non. Attendez. Ouais, je suis dans le secteur 2. Non, mais il y a le Saïx, les mecs, là. Vous êtes sérieux? Bon. Salut. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Caché. Ah, il m'a pas trouvé. Bien, il y a un couloir juste ici. Où est-ce qu'il me mène? Et bah ici en fait, il me servi à rien. Bon. Là, il me prend le missile. Zone de sauvegarde. S'il te plaît. Allez, dis-moi que la sauvegarde est juste à côté. Oui. La sauvegarde est juste à côté. Il y a des petites bêtes là qui m'énervent aussi. Parfait. Du coup, c'est quoi que je dois faire? Ah oui, il faut que je mène mon enquête. Et là, il faut des bombes de puissance. Merci de me rendre un peu de vie. Venez là. Toi aussi. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Même pas une petite sauvegarde. Oh non. Eh, comment tu voulais que je devine qu'il y avait un passage là? Plus une upgrade. Donc je te pardonne. Putain, il fallait le deviner. Ah, enfin qu'on me sauvegarde. Cool. Putain,
Putain, ça m'aura pris du temps de savoir qu'il fallait aller là. Putain, et quand même par hasard, c'est là que je me fais mal. Quoi qu'il y a là. Il y a quoi là-haut? Ok, cette merde. Putain, ça m'énerve. Je vous ai rien fait. Bon d'accord, en fait il y a des portes que je ne peux pas ouvrir. Donc c'était utile. Oula, alors faut que je fasse attention parce que mon rayon a une grande portée. Ouais. Ah bah tiens, il y a un boss ici. J'espère que je vais au moins le battre ce boss avec tout ça. Ah non. Ah putain. Alors attendez. Ce boss là, il est assez chaud à vaincre. Donc il faut que je sois concentré. Déjà me foutre ici. Grenade. Voilà, en fait il faut mettre une bombe de puissance pour enlever tous les petits trucs qui tombent. Et pendant que ça explose, je vais mettre des missiles. Voilà, ensuite là, c'est plus simple déjà. Faut juste avoir le bon timing, ce que je n'ai pas. J'ai perdu pas mal de vie en tombant dans les fleurs, donc je pense que je vais peut-être mourir. Aïe. 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 Putain, je joue. Ah, je joue mal là. Voilà. Du coup là, j'intéresse juste à aller là. Éviter ça. Ah, je crois que c'est un nouveau rayon que j'ai gagné. Voilà. Allez. Allez. Oui. Allez, on y croit. Oui. Ça le fait, ça le fait. Allez. Ouh. 59 de vie. Le rayon de plasma, il perce les ennemis. Ah, ça veut dire que c'est un rayon fantôme. Donc, alors, attendez, je vais le montrer. Oh, il est classe. Oh, c'est classe. Mais en gros. Ah ouais. Eh mais il est largement plus puissant là. Putain. C'est pas du petit rayon ça. En fait là je les... C'est limite je les one shot. Putain. Pas mal. Ah c'est vrai. Il y a cette petite bête. Et là il est plus puissant. Ouais. Ça c'est tant mieux. Bon. Pouvoir retourner à ma sauvegarde. Espérons que c'était juste ça qui avait causé le problème. Ouais. Je passe par là où je suis allé. Ah, espérons que les portes s'ouvrent cette fois. Oui, elles s'ouvrent. Donc du coup, j'en profite pour aller voir les portes que je n'ai pas pu ouvrir. Alors, il y en a une... Il y en a une toute... Ouh, il y en a une là-bas. Donc, je vais remonter. Aïe. Je vais remonter... Tout en haut. Aïe. Petite sauvegarde. Alors. Alors, il faut quoi que je remonte en haut. Ah,
Toi, tu crèves déjà, je t'en dis pas. Voilà, toi aussi. Voilà, les deux portes que je n'avais pas pu ouvrir, tu trouves. Alors, dans celle-là. Ok. Donc, dans celle-là, on se fout de moi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché sur cette. Non, y a rien en fait. Pas grave. Aïe. Je suis pas venu. Ah. Ah, c'est la sortie. Bon de puissance, si tu veux. Voilà, alors ensuite, est-ce qu'il y a encore une zone que je n'ai pas pu voir? Ah bah oui, il y en avait une. Ah, elle est assez longue, elle est... Si, je peux y retourner. Ah, il faut que je descende ici. Voilà, pardon, excusez-moi. Non, je veux juste descendre. Mince. Non, pas là. Je vais juste aller voir une porte qui se trouvait ici. Voilà. Ensuite, la porte à côté. Et il faut que je monte. Encore dans la salle à gauche. Juste cette salle. Je la sens pas, pourquoi? Why? Ah ouais, je vois. Pas bouger. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Alors attendez. Si je fais ça, ça veut dire que... Ouais. Pas que je me loupe en fait. Chaud. Chaud. Ok, bon, bah ça prend un peu de temps de réflexion, donc on refait une ellipse. Bon, bah après réflexion, je ne vais pas y aller parce que je suis mort. C'est juste un degré pour la bombe de puissance. Et personnellement, la bombe de puissance, je n'en ai pas besoin. Enfin, personnellement, j'en ai pas utilité pour la fin. Donc du coup, vous savez où c'est, et le but en fait, c'est de créer un espèce de chemin en figeant les tortues. En figeant les tortues donc, pour créer un chemin et obtenir deux upgrades. En parlant d'upgrade. Parle d'upgrade justement le missile. Voilà. Hop là, allez, on finit ça et on recharge. Et allons voir l'ordinateur. Mais j'en ai marre, je veux pas aller au secteur 5, il y a un truc qui me fait peur. Je veux pas y aller, il y a un truc qui me fait peur au secteur 5.
c'était juste pour la classe. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller, faut que je te dise en quelle langue. Bah voyons, en plus. Ouais, donc en fait, tu me sers à rien. Oh là là, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Évidemment, c'est un des boss les plus durs de ce jeu. Parce que comme il modifie la gravité, je pense et j'en suis sûr que mes missiles ne lui feront rien. Ouais. Bon, réfléchissons un petit peu déjà. Elle est là parce qu'il y a une upgrade qui m'attend. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était une feinte. En fait, l'upgrade était là. Je l'ai raté. Ah, c'est pas vrai ça. Mais tu vas me laisser la boîte. Non, mais je vais la voir. Putain, mais ça y est, ça commence à énerver. Moi, je peux la voir comme ça. Hein? Ah, mais putain, le contrôle il est terrible. Voilà, je l'ai enfin. Non. Je vais te faire comme ça. Non. Ok, les vitres sont cassées. Évidemment, ça s'est caché. Mais non, en fait, je peux aller par là directement. Cool. Oh. Au moins, il est discret. Il a même cassé une porte. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Là, il y a une porte aussi, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok. D'accord. C'est un vrai cauchemar. La situation porte le son. Blop, 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 blop. Aïe. Étant dans une merde profonde, je pense que je vais mourir. Heureusement, tu jamais mon rayon. Là, juste appuyer pour que. Donc, non, en fait, je vais juste monter à la surface. Que je vois en fait parce que je suis un peu lourd. Oh, c'est palpitant là. Ah, parfait. Enfin la surface. D'accord, là je peux vous passer. Merci beaucoup. Et là, il y a le guide. De ceci. Pourquoi pas? Autant récupérer un tout petit peu. Même si mon intention première, c'est pas de finir le jeu à 100%, mais de finir le jeu tout court. Ah, une sauvegarde. Enfin.
vivre. Pour sauver. En fait, pour juste me tailler de là. Voilà, toi tu me donnes ton maître rouge. Ça, je sens le piège en plus là. Allez, se santé en plus. Mange pas. 100 de vie en plus avant de combattre ce boss magnifique. Je me fous là, j'ai peur. Voilà. Il est là. Il arrive. Le cauchemar. Et me voici dans la merde. Aïe. Charge mon attaque. Attendez, j'essaie d'avoir juste avec la range chargée. Allez, juste avec la range chargée, on y croit. Ouais, pour l'instant ça marche. Voilà. Et là, ici. Ah merde, ça marche pas. Aïe. Putain, il a modifié la gravité. Oui, le laser marche. C'est chaud, aïe, t'as le bouton. Allez. Ouais, il y a déjà presque une qui est 300 points de vie. Allez, il crève, c'est le prix. Voilà. Ah, ça y est, ça a pété. Là, je vais me prendre un coup. Aïe, aïe, voilà. Voilà. Aïe, là par contre je vais mourir. Aïe. Allez mon grand. Aïe. Allez. Putain non. Il a un poil de cul trop haut. Ah c'est pas vrai. Et je suis mort encore. Bon, et bah re-ellipse. Thank you.
loupe pas. Spam du bouton. Ah, j'ai spammé mon bouton. Je crois que je l'ai à peine cassé. Il y a même parce que je suis carrément sûr d'avoir pété. Et que là, je suis sûr de crever. Allez. Spam du bouton deuxième service. Voilà à quoi ça sert d'avoir des missiles. Allez, toi par contre, mais toi tu vas manger mais sévère. Allez, toi aussi tu fais 6 missiles. Ok, aucun problème. Je te prends quand je veux. Prends, je te fais du frame perfect. Allez, je vous ai fait du frame perfect là. Ah, j'ai le dernier costume, j'ai le costume gravité là. Pas trop tôt. Et là enfin, je vais pouvoir me déplacer librement comme je veux, sans aucune contrainte, dans tous les environnements possibles et imaginables. Comme par exemple, détruire ce mur. Bon, il me faut un peu d'élan. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais être tranquille sous l'autre, je me fais plus peur, je m'en fous, je me casse. Je m'en fous. Et hop là je me barre. Alors là il faut évidemment que j'aille vite, évidemment. Donc on se met en mode. Et on va casser cette chose. Ah, je suis dans le secteur 4 maintenant. Ah, j'aurais peut-être dû sauter. Waouh, ok. Putain, il y a une sauvegarde juste derrière. Attends. Oui, accès de terminal de carte. Là, par contre, il y a quelque chose qui m'intéressait. Il me faut l'attaque spatiale. C'est débile. Voilà, ça je te l'ai mis en face. On va prendre un peu d'élan. Voilà, alors bien visé au bon moment. Parfait. Et voici dans un nouvel environnement. Tu dégages, je veux pas te voir toi. Je veux juste sauvegarder. Bah tiens, tant que j'y suis, je vais explorer un petit peu les zones qui sont à ma disposition. Ah bah tiens, tout en bas. Voyons, là il y a peut-être quelque chose, un grain, je ne sais que. Ah. Oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non. Aïe. Oui. Ok, je peux te détruire, mais c'est chiant. Ouais, ok. Les détruire à la bombe. Je ne vois que ça. Voilà. Récupérer cet upgrade de missile. Putain, j'en ai plein de missiles en fait. Les missiles, c'est la vie. Aïe. Récupérer de la vie très vite aussi, je pense. Ça me sera très utile. Voilà. Voilà, toi tu me rends une vie. Voilà, vous me rendez de la vie. Là, je vais aller à gauche. Putain, D'accord, tu veux la jouer fusion. Merde, truc de niveau 4. Ici, il y a des créatures là. Ça
ça veut dire que je peux passer. Ah putain, arrêtez de vous enfuir. What is this? Who are you? Je sais pas ce que c'est ces choses. Regarde les hippocampes. Quelque chose qui ressemble. Et très très mal. Je sais pas bien. Si c'est pour mon bug. Putain, c'est quoi ces petites boules? Voilà, bonne vie. Non, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui. Ils sont ici. Et oui, d'accord. Ok, ok, ok. On va aussi faire ça. Ok, hop là. Je vais pousser ta retard. Je prends les métroïdes. Je vois. Donc un là. Et là il prend en fait. Ah ah, je suis derrière. Je descends. Et c'est bloqué. Très très bien. Ça veut dire. Ah, alors à mon avis, je pense que c'est pour obtenir le verrou de niveau 4. Je le pense très très fort. Et ça, franchement, je vais le faire. Même si Carte me l'a interdit. Même s'il me l'interdit, ce chacal. Enfin, ah non, plutôt. Enfin, l'ordinateur. Ok. Et maintenant. Ah, ok. Ah, il y avait un pas. Putain, et. Faut arrêter avec ces espèces de faux murs bizarres. Bon, et là, hop. What? On est sous l'eau. Et il y a un verrou. Je le prends. Voilà, porte de sûreté de niveau 4. Déverrouillée. Ah, ça veut dire que je vais enfin pouvoir me casser de là. Je pense que j'ai résolu tous les gros problèmes. Bon, reprenons les... porte normale et casse mon bas. Ensuite, bah aller à droite, bah je vais passer par sous la mer. Je vais pas remonter. De toute façon dans tous les putains de cas, je remonte. Voilà. Ça c'est fait. Reste plus qu'à remonter. Là y a rien, quoique j'ai envie de tuer ça. Voilà, je récupère juste 20 de vie, mais bon, pas grave. C'est toujours ça de gagner. Oh putain. Oh, je vais pas le voir. Qu'est-ce que... Prenons le chemin. Ah, dégage. Une sauvegarde. Cool. Mais comment on peut construire des eaux droits secs sous l'eau en fait? Comment qu'il les ait construits avant et sous l'eau? Moi, j'aurais compris la logique, mais là non, je peux pas passer. Mais là, je me mets. Putain, il y a que des. De ces... Ah, alors attendez, ça faut que je vise. Voilà, ça pourra pas gonfler, cette espèce de. Ces trucs. Aïe, toi, tu me fais mal. Bon. Et là, je peux pas passer. Merde, sinon, je me prends des dégâts. Putain, non plus. Putain.
Elle prend des dégâts de ces choses, je sais pas ce que c'est énervant. Peut-être un truc, un glitch à faire, non. Réfléchissons. Oh non, va falloir que je remonte vraiment tout en haut. Bon, va falloir faire avec. Non. Faut que je remonte vraiment tout en haut. Donc demi-tour. Quoique. Eh non, il y a une porte que je n'avais pas visitée. Ah ok. Je me fous de la vitesse. Si tu veux de la vitesse, tu vas en avoir. Ok, il faut juste que ce monstre meure. Que j'attende maintenant. Allez. Oh, pile ce qu'il me fallait. J'ai failli me rater. Bon, là, je vais essayer de pas trop me prendre de dégâts. Raté. Oula. Oula. Tout cela me semble assez dur. Donc un missile. Heureusement que j'en ai pas mal. Il faudra un autre missile. Bon, on verra plus tard. Juste en dessous d'un centre de données. Yeah, j'ai regagné une petite centaine de vies. Tiens, centre de données. Je crois que je devais. Effet diffusion avec qui? Charge avec R, tire avec B. Voilà. Ah ouais. Ah, un effet de gel. Donc là pour passer. Ah, je suis passé chargé. Ah ouais. Ah c'est pas mal. Par contre je crois qu'il va m'en vouloir quand j'aurai eu tous ces upgrades. Ah, après tout, c'était un robot. Bon, plus rien à faire là. On recharge. Parfait. On se garde parce que j'en ai vraiment besoin. Et on va aller voir l'ordi. Alors, tu obtiens. Oui, désolé. Oui. Ouais, mais. Ouais. Oui, je m'en souviens. Ok. De toute façon, là, je me sens mieux. J'ai découvert de nouveaux trucs. Je vais te le battre aisément. Allez. Thank you.
Ouais, merci, ça me rassure. Ah, oh, c'est pas vrai. Putain, il me poursuit, t'es sérieux, toi? Mais je peux pas le battre. Je pense que je peux le battre. Bon, il me reste encore. Bah non, je pense que c'est bon. Quoique non, s'il y a des métroïdes, en fait, c'est pas bon. Parce qu'il reste des améliorations à voir. Bon, je pense que je dois retourner à la salle du boss. Donc, je vais prendre par bah, le même chemin que j'ai fait. Parce que là, vu que je suis un peu plus puissant. Simple, je vais tout droit. Hop, je descends en ligne droite. Encore, encore. Ici. Ensuite, je vais prendre pas en bas, tout en bas à gauche. Que je me perds pas. Il faut que j'aille bas à gauche. Enfin, que je tombe en bas plutôt. Bon, déjà, c'est pas là. Là, c'est bon à savoir. C'est ici. Ici, n'est-ce pas? Bingo. Il faut que je descende en bas. Ouh, je crois qu'il y avait le SAX. Putain, j'ai flippé pendant 2 secondes là. Je me suis dit, putain, il est là. Allez. On sauvegarde ici. Alors, le donné, il a été détruit, donc le boss doit être ici. Même pas. Bon, alors essayons de savoir où est-ce qu'il peut être. Parce que je n'en ai pas la moindre idée. Attends, tu es sûr qu'il est là? Secteur 6? Oui, je suis dans le secteur 6. Je vois pas où il peut être. Quoique. Ah, quoique, peut-être par là. Bon, va falloir que je cherche. Je le savais. Je le savais, je le savais. Je serais à peine douté en fait. Oh, on va me voir, hein. Et ben là, oui. Bon. Là, y a pas quelque chose. C'est là quoi, c'est la suite ça. Là. Ah, c'est bloqué. Comment faire?
Bonne question. Je ne vois pas. Bon, là, il n'y a rien. Si je cherche un petit peu. Si je cherche un petit peu, si je cherche un petit peu. Je descends encore plus bas. Je descends encore plus bas en fait. What? What? Ok, je me casse. Putain, comment ça alerte? Mais si c'est pas moi, si c'est pas moi, si c'est pas moi, c'est le Saïk, c'est merde. Putain, os. What? Putain, oh, ça m'énerve. Ah. Putain. Ah, ouais. Oh, putain, ouais. Les X ont fait du bon travail. Et je me suis raté. Putain. Non, c'est pas avec un missile que je vais lui faire mal. Évidemment, je me suis raté. Ça va bien qu'il ait été contrôlé. Aïe. Aïe. Ah putain, il me fout la paix. Juste à côté. Voilà, il marche. Ah, je ne saurais plus l'attaquer pour un petit swing. Déjà touché. Ah putain. Ah, une technique, je viens de la trouver. Ah, par contre, c'est là que je l'ai reçu. Ah, en vrai, il suffit juste de sauter dans ce coin. Qui c'était ça? Qu'est-ce qu'ils ont lancé? Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce rayon? Allez. Qu'est-ce que... Le rayon à vagues traverse les murs. Yeah! Pas mal. Sauvegarde. Attends, s'il traverse les murs... Ah ah! Deux secondes, je prends ça. Pas mal. Ça va me permettre de contourner pas mal d'obstacles. Ensuite, faut que... Bon, maintenant, je vais ouvrir cette porte.
no entry without authorization. Oui, on a compris. T'attends deux secondes que je sauvegarde. Warning, no entry without authorization. Warning, no entry without authorization. Aïe, ça fait mal. Warning, no entry without authorization. Warning, no entry without authorization. Alors, qu'est-ce qui va pas? Zone inter... What? Zone interdite. Qu'est-ce que ça veut dire, zone interdite? Je la sens pas du tout. Je la sens mais pas du tout en fait. Espace. Cool. Des métroïdes. Alors ils étaient là. Je croyais que ça avait disparu. Les fourbes. Ça ne peut pas être le Saïx. Et alors? Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que... Arrête! Du truc. Non, non, non. Les métroïdes. La porte est juste là. Ah. Ouf. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'espère qu'on me donnera des explications. Ou enfin notre tête. Alors c'était donc cela. Je m'en étais presque douté. Alors, depuis tout ce temps, les métroïdes étaient en vie. Adam, le vrai, aurait également critiqué cette erreur. Mais avec tact, ses critiques étaient certes sévères, mais jamais blessantes. Il était loin d'être une vulgaire machine obsédée par ses devoirs. En revanche, cet ordinateur n'exprime aucune compassion. Du coup, je suis où là en fait? Putain, faut que j'en remonte. Il y a quelque chose ici qui est très intéressant. Ok. Ah, il tank. Donc, il me faut l'effet de diffusion. Ça, c'est fait. Je m'en fous un petit peu de tous ces ennemis, je vais juste me barrer. Putain, non, 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 c'est pas vrai, pas ça. Puis ça, ça doit être de l'acide. Hein? Sauvegarde, ça veut dire que je dois monter, c'est cool.
minutes. Peut-être un missile. Bingo. Dernière amélioration. Bonjour. Au revoir. Ah, faut que je les détruise. Ah bah oui. Putain, alors celui-là il est chaud. On ne peut le viser que dans le dos. Et pour qu'il aille derrière nous, il faut se rapprocher de lui. Évidemment, il y en a un deuxième. Voilà. Et là, comment c'est plein de... vie. Encore une sauvegarde. C'est-à-dire qu'un danger se rapproche. On va mieux pas savoir ce que c'est. Alors, droite ou gauche, je dirais à gauche. Mauvais choix. En fait, je vais aller à droite, enfin. Parce que j'ai plus confiance en... En fait, dans droite, y'a rien. Allez. Ah, merde, c'est vrai. Effet de... diffusion. C'est bien utile, en fait. Pas bouger, toi. Putain, c'est très utile. Le boss. Oh non. Non. Ridley. Putain. Evil Ridley. Massacre. Là. Voilà à quoi sert tous les missiles que vous avez récupérés. À Ridley. Là même quand il est dans votre main, vous spammez, vous en avez rien à foutre de votre vie. Vous spammez, faut juste se mettre en face de lui. Voilà. Noir. Allez, prends-moi encore. Je t'aime, Ridley. Allez, prends-moi dans tes bras. Que je te bute. Je l'ai légèrement mal joué vu que je vais mourir. Ah ouais. J'ai mal joué. Allez. Allez, spam. Là, par contre, faut attendre. En face de toi que je me mets. Ouais. Hâte de te retourner par contre. Ah, t'es noir et j'ai perdu moins de vie qu'avant. Allez, crève. Allez, je te barre, Ridley. Avec ou sans vie. Comme vous voyez, je suis en train de le défenestrer et il est rouge. C'est sa dernière forme.
reste encore quelques. Allez, on en reste. Ah yeah! Parfait, à nous deux. Je récupère un peu de vie. Allez, plus que deux coups. Ah, je suis gentil, je te laisse m'affaiblir, c'est trop tard. Et je bois la dernière amélioration du jeu de l'attaque en vrille. En gros, je suis quasiment invincible. Ce qui fait que je peux faire ça. Voilà. C'est la classe, ouais. Mais quand même, je vais sauvegarder parce que je suis pas fou à ce point. Voilà. Parfait. Non, je vais m'arrêter ici car... ça fait une heure et demie que je joue là. Donc, avec tout ce que j'ai découpé, ça fera peut-être moins. Et donc je retrouverai sans doute pour la dernière partie de ce jeu qui nous promet une fin mémorable. A tout de suite. Voilà, donc de retour. Et donc nous devons nous rendre au terminal de cartes. J'espère après que le jeu sera fini. Que je me repère un peu. Ouais, non, j'aille là-bas. Et donc là, voilà. Ça, c'est une attaque utile. Attendez, attendez une seconde. Et quelque chose d'intéressant. C'était une feinte. J'ai cru que il y avait. You know what? Fuck it. Fuck that. Alors, attends. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Mon laser me sert quasiment à rien. Profiter juste récupérer de la vie. Le terminal de carte le plus proche. Tiens, je vais aller à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui a muté. Une espèce de mu. Ça. C'est l'oxygène. Voilà, toi tu meurs. Là-bas, je détruis tout. C'est donc là que je n'avais pas visité. Ah bah oui. Et donc dans la lave, je ne crains plus rien. Une petite réserve de missiles, ça fait du bien. Quoi d'autre? Une porte et en haut. Une autre réserve de missiles. Je sais pas combien j'en ai des missiles là, mais je crois que j'en ai un paquet. Putain, encore des mues. Je sais pas ce qui se passe, mais je la sens pas. Ça doit être les mues de Saïx.
160 missiles. Je suis assez large. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Attends. Je veux le capturer, mon double maléfique. Modifié génétiquement par des extraterrestres. Ouais, je sais même plus comment je l'ai comment je l'ai eu cette arme. Ah si, je m'en souviens maintenant. Dès que les vaisseaux de la Fédération atterriront, les X y pénétreront pour absorber le savoir et l'énergie des équipages. Quand ils seront prêts, ils partiront à la conquête de l'espace. Ce sera alors la fin de la civilisation galactique. Les X sont avides de chair, de savoir et d'énergie. Ils ont affecté de les reproduire. Toutefois, ils ne peuvent pas copier les âmes. Les X cèdent à leur instinct, cherchant à tout prix à se multiplier. Ils sont un réel fléau que la Fédération sous-estime. Les X doivent rester ici. Je dois les exterminer avant que la Fédération n'arrive. La station est dotée d'un système d'autodestruction qui me permettra de supprimer tous les X. Ils disparaîtront tous avec la station, voire avec moi s'il le faut. Ouvre cette porte. Ouvre cette putain de porte. Oups, j'ai donné un nom à l'ordinateur. Il n'y avait plus de musique, bizarrement. Je t'emmerde, ordi. Mon Dieu, j'ai fait de gros yeux. Non, monsieur. C'est parti pour la fin. Je n'ai aucune objection à cet ordre. Ah, ça c'est pas bon signe. La porte a été détruite, c'est pas bon signe du tout. Ah mais oui, elle date cette porte. Alors juste vérifier qu'il n'y a pas un point de sauvegarde que je peux prendre. Non, aucun. Toi, tu meurs sans même que je te dise pourquoi. Ok, je viens de découvrir qu'il y avait ça.
19 bombes de puissance. Je pense pas que ça va me servir. Y a une sauvegarde juste en bas, je vais la prendre. Qui sait ce qui peut m'attendre dans les prochaines minutes. Mais c'est pourtant là que je dois aller, non? Ah non, c'est à côté, d'accord. Je me suis trompé, j'ai rien dit. Attends une seconde, juste a priori un truc que j'ai pas visité juste là. Ah bah voilà, c'est juste un bug du jeu. Allez. Ah, il était là. Aïe. Alors pour pas te laisser, il existe une petite technique. Hop là. Il faut le battre seulement avec le rayon chargé. Donc, vous attendez juste qu'il vienne. Voilà. Hop, vous leur faites descendre. Et vous le touchez à partir du moment où il est à terre. Et ce, 13 fois. Aperçu, j'ai compté pendant mes anciennes parties, c'est 13 fois. Et c'est une course contre la montre qui se joue alors. Car même si vous avez à peu près tous vos upgrades, cela reste un ennemi assez complexe. Ne jamais aller dans la même direction que lui, évidemment. Voilà, ça c'est un bel exemple de pourquoi. Et de ma mort. Donc du coup, je retrouve pour ma revanche. Allez, on y croit. Je prépare mon laser pour ce deuxième essai. Allez. Hop, là, t'en prends une. T'en prends une deuxième. Une troisième. T'en prendras bien une quatrième. Oui, tu aimes ça, hein, t'en prendre. Allez, hop, une petite cinquième. Elle était gratuite, celle-là. Putain, il y en a plus. Descends. Putain. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. On est peut-être du même ADN. Mais je t'aime pas trop. Allez. Hop là. Parce que les tons, c'est que la merde. Allez, viens, je t'attends. De toute façon, je t'ai bloqué là. T'as fait faire les mêmes patterns encore et encore. Ouh, t'as eu de la chance, c'est passé juste au-dessus de toi. Ah ah, je t'ai affaibli, allez, je sais que t'en as encore plus. Aïe, aïe, rate. Allez. Ah, tu es mort.
Tiens, toi, je vais t'attaquer avec... D'accord. Oh, des Metroid, je les prends. Putain, non, c'est des X, je les prends. Ça me rend de ma vie. Ouais. Voilà, ça devrait aller. Avec un petit effet de diffusion au passage. Un effet gel. 3 missiles. Ouais, t'en prendras bien un quatrième. Un petit dernier. Non? T'en veux un autre? Ah. T'as de la chance que je me rate. Meurs. Toi par contre, tu viens là. Non, je te... Putain, je peux pas. Non. Ah, je peux pas. C'est pas vrai ça. Attendez une seconde. Est-ce que au moins je peux aller dans les portes là? Non, elles sont toujours bloquées. Fuck. Tant pis. Allons-y. Allons détruire cette station. Propulsion sequence activated. Destination planet SR388. Non, sur la planète SR388. Ça voudrait dire qu'on va tuer tous les X. Allez, plus vite l'ascenseur. Plus vite l'ascenseur, allez, on y croit. Allez. Allez, plus vite. L'unité de sauvegarde ne marche pas. Allez, c'est tout droit, il me semble. Allez, 2 minutes. Un peu moins de 2 minutes 30. Je peux y arriver. Putain, mais c'est pas vrai! Mais tu vas me foutre la paix, toi! Merde! Casse-toi! Putain de merde! Je vais mourir! À 2 minutes! Au moins, j'aurais sauvé la galaxie! Je peux mourir en héros! Quoi? Mais. Le Saïx? Son laser! Il en repousse le monstre! Ton sacrifice ne sera pas vain! Je vais tuer ce monstre. Je connais ses patterns d'ailleurs. Lorsqu'il avance comme ça, mais qu'il met sa patte gauche en avant, il n'attaque pas. Par contre, il va m'en foutre rien. Lorsqu'il met sa patte gauche en avant, il ne m'attaque pas. Allez. Avance. Raté. Recule. Sale bête. Ah, là j'ai mal joué. Allez, recule un peu. Ah, 3 fois. Ça fait mal. Ok. Avance, sale bête. Recule. Aïe. Putain, faut pas que j'avance lorsque elle crie de douleur. Elle est battue. Vite. Mais mon vaisseau. Il est là, mon vaisseau. C'est la fin. La fin. C'est fini. La galaxie est en paix. Je peux partir. C'en est terminé. Quel sens du combat. L'esprit d'Adam Malkovich perdurait même après sa mort. J'ignorais que les esprits des dirigeants et scientifiques étaient souvent téléchargés sur ordinateur. Ma réunion inespérée avec Adam a probablement sauvé l'univers. Mais
Mais comment notre décision sera-t-elle perçue? Je doute que personne ne comprenne qu'un désastre a été évité de justesse. Des commissions d'enquête seront convoquées et nous condamnerons. Ardon comprenait mes angoisses et s'efforçait de me rassurer. Ne t'inquiète pas, l'un d'eux va comprendre. J'en remarquais la sagesse qui se dégageait de ses propos. L'homme est guidé par ses expériences. Elles sont les limites de sa conscience. Mais malgré cela, son objectif ultime reste la quête de la vérité. C'est ce qu'Adam m'a enseigné. Mais un détail me perturbe. Alors que ce vaisseau ne peut être démarré que manuellement, je l'ai vu se mouvoir juste avant ma rencontre avec le Métroïde Oméga. Est-ce possible, Adam? Nous assistons donc à la fin de ce jeu magnifique. Alors c'était deux. Je m'en serais à peine douté. C'est l'esprit intelligent. Et c'est la fin de ce playthrough qui aura duré quand même plusieurs heures. Merci de m'avoir suivi ou jusqu'au bout. Je vous laisse les crédits et on se quittera à la fin. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un pouce vert, un commentaire si vous avez aimé. Et de vous abonner pour la suite.